unique sujet d'étude, c'est le temps. Vous serez dans une sorte de sphère, mais après votre retour, vous devrez attendre au moins 4 minutes avant qu'on puisse vous récupérer. Cet homme va accepter d'être le cobaye d'une expérience qui lui offre de revivre une minute de son passé. Il le fera pour cette femme, pour voir s'animer ce visage, se lever ce regard, pour lui dire encore une fois « Je t'aime, je t'aime ». Tu n'as même pas besoin de moi. Tu as simplement besoin que je sois là. J'aurais jamais dû te rencontrer. Ça n'aurait rien changé. Un peu plus tôt, un peu plus tard, tu aurais rencontré une de mes sœurs. Ils ont vécu 7 ans ensemble. Leur amour, c'est leur mémoire. Mais pour Claude Rieder seul, le passé redevient le présent. Au gré des minutes et des secondes qu'il a réellement vécu, il va tomber en chute libre d'un moment à un autre, d'un visage à un autre. Ce film est moins la biographie d'un homme que sa vérité secrète, ses hantises, sa passion pour une femme. Catherine ! Une minute. Il bouge. Encore 3 minutes et on va pouvoir la récupérer.